Les gars, vous êtes en direct sur Réveillon Air sur Full TV et aujourd'hui on a une équipe de fous. On peut faire du bruit, les gars. Ouais. Alors aujourd'hui nous sommes avec Hergé, co-présentateur. Comment ça va, Hergé? Ça va et toi? Tranquille. Ça va super. T'as passé une bonne journée? Très bonne journée aujourd'hui. Très bonne journée aujourd'hui. Ça s'est fini tôt. De quoi? Ça s'est fini tôt. Ça s'est fini tôt et on est là au soir tous ensemble. On va passer une bonne émission. Vous êtes en direct donc n'hésitez pas à commenter sur TikTok et sur Facebook. On se ferait un plaisir de lire toutes vos réactions en direct. Aujourd'hui on a deux invités, deux et demi, trois, trois invités. On a GY. Comment ça va, GY? Yeah, ça va bien toi, Rosé? Ouais, GY. Ça va super et on a SLF aussi. Le seul. Ça va SLF. Aujourd'hui, j'ai préparé l'émission pour toi parce que je savais pas que GY allait venir. Et comme GY allait venir, je me suis dépêché d'aller chercher son petit cadeau parce qu'il a fait la mixtape. Mais donc, je vais commencer que GY. Attends, t'es pas venu tout seul, toi, aujourd'hui. On peut présenter ton shrap. Poto Zidi. Ouais, l'équipe. On est là, Zidi en force. Ça va arriver. Ça va arriver bien et tout. Et toi, tu veux dire un mot, toi aussi? Moi, c'est le Z, enchanté. Reprends bien le micro. On dirait qu'il fait une pub pour Snap. La star ici, c'est pas moi, c'est lui. mais tranquille, mais c'est bien de prendre la parole des fois, c'est bien, ça passe bien. GY, toi, c'est pas la première fois que tu viens nous voir? Non, frérot, c'est la deuxième fois, troisième fois qu'on a amené à bosser ensemble, je crois. En direct? À bosser, c'est la deuxième. Du direct, c'est la deuxième. Je t'ai eu, Rosé, je t'ai eu. Là, tu m'as eu. Ouais, non, on s'était vu l'année passée pour Réveillon 1, t'es là, c'est le deuxième. Ben voilà, donc. Rebienvenue dans les studios. Merci à vous, c'est toujours un plaisir. Hein. Ça a un peu changé. Un plaisir. Et SLF, c'est la première fois ici que tu es là. Merci pour l'invitation. Hier j'avais dit en direct qu'on allait recevoir Blacka. Malheureusement, on salue Blacka, il a eu un empêchement aujourd'hui. Et SLF, il a dit, je suis là, les gars. Bah, vraiment, on m'appelle. On m'appelle midi pour 16. Midi pour 16, heures, en deux secondes, franchement, un applause parce que les gars. C'est le S, c'est le L, c'est le F. Voilà, on se téléporte. C'est vraiment de la téléportation à ce niveau-là. Moi, je pense qu'on va écouter un petit son. Mais d'abord, on va écouter un petit son d'SLF parce que t'es avec nous au micro. Et puis, on va s'écouter un petit son ou juste un petit extrait de ce que vous faites un petit peu. Merci. Cette épée de SLF. J'ai envie de rapper carrément. Hein. Bah vas-y, tu peux rapper un petit peu. Ouais, tu peux rapper au-dessus. Franchement, allez, t'es chez toi ici. Je vais laisser couler. Mais tu peux les câbles. Six plans cassés avec une dent cassée. Cherche mon style, ne me pressionne pas. Après je fais soldat, tes rappeurs les copies, ne me pressionne pas. Grandis dans un univers sombre. Quand t'es recto, ça vient du verso. Je rappe comme si ça vient du berceau. Un terre dans la main et je fais diverso. Pour des condamnés, j'ai diverso. Trois quarts de l'année, je fais divers. Je me prépare pour cet hiver. Ça, c'est Oulak, j'ai hyper faim. Je l'ai mis au Oulak et c'est vibre. Ça, c'est du SLF. Franchement, la séquence freestyle. C'est le petit échauffement. Réfléchis. C'est le petit échauffement pour après, parce qu'après, il y aura une séquence freestyle. Vous nous avez apporté vos instrus. Donc, restez jusqu'à la fin de ce live. Parce que à la fin de ce live, tout le monde va freestyler ici. À part le pote de GY qui. T'es pas chaud de lâcher un freestyle? Moi, si je lâche un freestyle, je les éteint tous. On va voir ça en fin d'émission, là. Et on va s'écouter, tu sais quoi, ton son, le son que t'as fait pour nous ici, pour Pays Noir, la mixtape que vous pouvez aller retrouver sur Full TV, sur le Spotify, en tapant Pays Noir. C'est parti. C'est GY. Banger. Je lui dis tu vas cramer ma PSA, il me dit t'inquiète pas le petit gars sur le teco. Hey. Tous les jours pour les dineros, savez ce qui passe à t'es les fédéraux. Bah. Hey. Bah. Hein. Je pull up Avenue Louise, Gucci pour les magasins. Je suis pas encore dans toutes les magazines. J'suis peut-être le meilleur coup de ta voisine. Ou bien le petit copain de ta cousine. Dans la kitchen j'la fais whipping. Elle et toutes ses copines. C'est bien, c'est des coquines. J'ai tourné toute la journée, toute la soirée. Dans le seul but de faire que tu bénèfes. Et toi t'es reines. Je prends mon bif puis je me casse de là. Casse. Je prends mon billet, je me casse de là. Casse. Hein?
La vie c'est pas un jeu, c'est pas un film, celui qui décide c'est Dieu. Ils diront qu'ils veulent te faire graille, mais ils te laisseront que les miettes. À deux doigts de sauver les miens, y'a des gros sacs sur la banquette. Et l'autre a parlé, il est dead, j'ai plus d'humeur à faire la fête. J'vis ça bonbon comme des Haribo, le sachet est ouvert rempli comme des haricots. J'te mets un kick à la Jericho, dans la défensive comme l'Atletico. Zizou qui tourne mon gars, ça dit quoi? Il me dit mon pote là, je loue un hélico. J'lui dis tu vas cramer ma pesa, il me dit t'inquiète pas, le petit gars sur le déco. J'sorte la série comme un big hero, on prend des X tous les jours pour les numéros. Savez ce qui passe? C'est G.Y. les gars, vous pouvez aller. C'est lourd, c'est lourd. Il est sous côté même, pas assez écouté celui-là. Instrumental allez hybride. Écouter plus, allez écouter plus. Il faut aller l'écouter. Parfait, parfait. Allez écouter SLF et GY. Merci. Les gars, il faut donner la force à tous nos artistes de la région. Et ça fait un grand plaisir, moi, pour moi, c'est une découverte, tu vois. Moi, je connaissais pas ton milieu artistique. Et là, en préparant l'émission tantôt, waouh, grosse découverte. GY, je connaissais, hein, toi. Ouais, c'est un bail. Toi, on te connaît. Les gars, vous avez des projets en ce moment? Frérot, on est sur beaucoup de choses. Ouais. Après, tu vois, nous, on est encore jeunes. On doit avoir de la stabilité. Ça veut dire, nous, on fait ça en mode lion, tu vois. Ça veut dire, on se réveille le matin, on a une passion, on a les problèmes sur le tech, mais on essaye d'avancer. Et voilà, petit à petit, on commence à éliminer les faux, garder les vrais. Ouais. Et voilà, petit à petit. Surtout éliminer les faux et garder les vrais. Voilà. Parce qu'il faut un entourage. Mais niveau projet, voilà, je sais pas si on va en parler. Ouais, tu peux en parler. Moi ici, le projet, ça va être une mixtape, tu vois, d'office. Oui, beaucoup de clips surtout. Nous, on se prend même pas la tête. On se dit déjà, on va faire beaucoup de visuels pour que les gens retiennent notre tête, tu vois. Ok. Petit à petit. Et voilà, moi, personnellement, je vais essayer de faire un truc carré parce que j'aime bien que ce soit bien fait. J'ai plein de sons, tu vois. Là, je pourrais déjà faire des mixtapes, etc. Mais on va faire ça calmement et bien surtout. Tu vas faire ça bien travailler le truc, ouais. Et tout ça. Parce que tu m'as dit en plus, ouais, je suis disponible à 18h, j'ai envie de filer pour aller au studio. Voilà, deux doigts sur le front. C'est direct, franchement, top. Tu peux nous parler un petit peu de tes projets un peu passés, ce que tu as déjà fait? Alors moi, j'ai commencé le rap, on était en groupe, on était quatre, tu vois, on était jeunes, on a 17, tu vois, on se débrouillait. Franchement, c'était déjà carré, moi j'aimais bien. Et après, on a continué avec un gars de chez moi, tu vois, Wise, on faisait des sons, on était en duo. Voilà, on a arrêté, je préférais qu'on aille tous en solo. Et maintenant, je vais rester solo, tu vois, c'est mieux comme ça. Et je m'entoure des personnes qui veulent taffer. Et voilà, on va s'entourer de beatmakers, clippers, tu vois, faut avoir un bon entourage pour que ça coule de source. Ouais, c'est important. Ça, bah, dans mes projets de passé, ouais, moi, je suis toujours un type comme DIY d'ailleurs, on est des gars, on se débrouille par nous-mêmes, tu vois. Il n'y a pas de maison de disques, chic, c'est notre argent, c'est notre chic. C'est à la sueur de notre front. Donc voilà, moi, j'ai déjà fait plusieurs clips. Après, j'ai pas assez sorti. De toute façon, tous ceux de mon entourage, ils m'ont toujours dit, tu sors rien. faut sortir. Ouais, non, mais c'est réel. Ils ont la dalle. Et voilà, sinon, moi, ça fait longtemps que je rappe, tu vois, ça fait depuis que j'ai 14 ans, 15, et de base, c'était de l'écriture. Après, je suis allé à 18 ans au studio, tu vois, et franchement, j'aime ça, donc c'est plus une passion, tu vois, je me suis pas pris la tête, je me suis pas dit, faut que je perce, faut que je fasse du bif. Tu vois, les rappeurs ainsi, vas-y, ils disparaissent. Hein. Mais ouais, il faut continuer dans ta passion, dans ce que tu kiffes. Et toi, tu as des projets en cours? Bah écoute, je pense que ça rejoint les idées des SLF. Comment il faut sortir. Il faut sortir du contenu pour que les gens, ils impriment notre tête. Qu'ils voient qu'on est là et qu'on va pas lâcher demain, même qu'ils nous aiment pas, tu vois. Et les projets futurs que tu as en cours? Écoute, à part sortir voilà les clips et peut-être me concentrer sur une autre mixtape que celle que j'ai faite. Ok. Et voilà, balancer le plus de sons possible. Kiffer, quoi. Kiffer, ouais. Kiffer un maximum. C'est ça. Moi, j'ai envie de savoir, c'est quoi la playlist de SLF? C'est quoi les trois sons qui sont dans ta playlist? Tu peux déjà réfléchir aussi, DIY. À l'heure actuelle ou en général? En général, vie, si tu peux toute ma vie. Ouais, tu peux mettre trois sons. Trois sons dans toute ma vie. Ouais, ouais. Ça, pour te définir. Moi, franchement... Pour commencer, je mettrais peut-être un petit Tempête de PNL. Après, Génération Assassin Booba. Et après, troisième, franchement, ça se bat. Il y en a plein, tu vois. Il y a vraiment beaucoup de sons. Vas-y, pour la personne. Et pour l'écriture, j'aime bien Gizmo aussi, tu vois. Un André, ainsi, bam, 5 minutes de son, t'as ta douce, tu vois. C'est pas une question facile, parce que c'est vrai que t'as envie de mettre plein d'artistes, des fois. Voilà, t'écoutes plein de trucs. Moi, j'aime bien. Après, j'aurais pu te rajouter aussi
Asiens qui sont de un Nekfeu ou un Joke aussi à Teyabo. Moi, ça c'est mon top one. Et ton pote, il a envie de répondre aussi à la question ou c'est quoi tes influences artistiques? Moi là, si je te parle à l'heure actuelle, en mode des types qui, je trouve, ils se diffèrent et tout, même pas que dans leur flow ou quoi, juste quand t'écoutes un peu ce qu'ils disent et tout, c'est... Moi j'ai dans 10 blocs Europe là pour le moment. Et je trouve trop sous-coté, tu vois. En mode, ouais, les gens, ils ont pas pris le temps, ouais, d'écouter, j'avoue, de trucs. Ils capent pas le... Ils sont pas dans le délire. Ah, ouais, ils sont, ouais, pas encore, j'ai l'impression, ils sont même peut-être, ouais, pas prêts à ça. Tu vois ce que je veux dire? Ces types-là, ils sont dans le futur. Ils sont au-dessus. En mode, quand les gens, ils vont comprendre. Ok. Non, okay. Pour moi, là, pour le moment, à l'heure actuelle, c'est le seul nom qui me sort. Ok, bah c'est bon, c'est magnifique. Et toi, G.Y., il était en réflexion, là. La vérité, pour les trois sons dans une vie, hein. C'est moi, je rejoins SLF sur PNL Tempête. Après, en deuxième lieu, moi, j'aurais plus vu un Damso, tu vois, pour ma part. Genre, et quoi, Damso? L'écriture, le non, flow. Mais genre, le son. Ah, qui t'a choqué de Damso. Qui m'a vraiment choqué de Damso. Attends, que je cherche vraiment bien. Sablier, si je dis pas de conneries. Graine de sablier. Ouais. Graine de sablier, c'est ça, ouais, voilà. Très lourd. Ouais, texte. Ça. Et alors, comme troisième, j'aurais pas donné un nom d'artiste, tu vois, mais plutôt un groupe. 13 blocs qu'on nous brûle souvent. 13 blogging. Ouais, pour moi, ils sont trop chauds, tu vois. Ils sont trop chauds. Voilà. Les gars, on va aller vous stalker. Qu'est-ce que vous en pensez? On passe à la séquence. Il y a quoi sur tes réseaux? Les gars, là, vous voyez pas, mais dans le retour image, je vais te montrer, Tracasse, en live. T'inquiète. Là, vous voyez pas, mais dans le retour image, il y a mon téléphone, ça fait que si on m'envoie un message un peu... En direct. Tout en direct, donc... Aïe. Donc, on va commencer par SLF. Franchement, Insta bien épuré, franchement. Là, je m'en bats les couilles. Non. Comment, frère? Non, la vérité, Insta, c'est important. Ouais, c'est important. Non, surtout, mais pour quand t'es en indépendant, ouais, grave. Insta même plus que Snap, je pense. Enfin, et TikTok, c'est aussi maintenant, tu vois. Ouais, je pense TikTok aussi. TikTok, c'est pas sous-estimé, c'est un sale outil. Tu peux nous parler de ces images? C'était où et c'était quand? Ça, frérot, c'était un concert à Bruxelles. C'était en avril de cette année, ouais, je crois. Et on a ramené tous les potes là qui sont là. On a fait vraiment du sale. Franchement, j'aimerais bien vous montrer quelques vidéos. Bah, je pourrais pas. Vous viendrez me suivre, je mettrai en story. Bah, vas-y, mets en story. Non, c'était un beau concert et tu vois, moi j'ai pas fait beaucoup de concerts, mais franchement, celui-là c'est le top. C'était le top. C'est quoi ton meilleur souvenir de concert que t'as eu? Franchement, je te dis la vérité, c'est celui-là. Hein. C'est celui-là. Ouais, cash. Parce que j'avais beaucoup d'amis qui étaient là, tout le monde a soutenu, tout le monde était sur scène, on a fait une ambiance de fou. Et franchement, même symboliquement, il y avait des personnes qui étaient là, je devais prouver des choses. Et moi, j'ai bien aimé cette soirée, elle était drôle et voilà. Et c'était quand ton premier concert? Frérot, moi, je faisais des open mic à Charleroi, tu vois. J'ai déjà fait des trucs sur scène, on va dire, tu vois. Eux, d'ailleurs, ils peuvent te dire, ils venaient me voir, on était près de la Mutuelle, là, tu vois. Le truc rouge. Mais le bas, tu vois, le bâtiment rouge. Ceux qui sont pas de Charleroi, ils comprennent pas, mais... Juste à côté, il y avait une scène, et bref. Moi, j'ai déjà fait des scènes, tu vois, mais... De là à être booké moi-même, j'en ai fait... On va dire 5 où je suis vraiment, moi... qui suis... Bon, après, c'est logique, tu vois, nous, on fait pas beaucoup de vues, donc les gens qui veulent plug ou qui veulent booker, ils sont obligés de prendre des gens qui vont ramener du public. On a quand même des bons petits trucs et tout. Là, bientôt, d'ailleurs, les gars, janvier, je lâche une petite exclue. Trap Night, les gars. Trap Night, Eurocrill, je pense. Eurocrill, si tout va bien. Ça, c'est le temps. Ouais, j'en parle un petit peu, petit à petit. Et non, je disais, c'était bien épuré parce que j'aime bien le concept des petits freestyles que tu vois ici. Allez, je suis sous money, je dois raccrocher. Je suis allé trop loin, mais au moins je me suis accroché. Bakou, j'ai une branche sur laquelle m'accrocher. Je lui avais dit de pas bouger, là on s'est planté, je suis pas anesthésiste, non je suis pas pompier et je suis pas bougé. On va devoir te laisser là, mon frère, je dois continuer, moi je suis pas. Tu vois ce genre de contenu, c'est arrêté net le son. Ouais. Tu vois ce genre de contenu, je trouve que c'est super intéressant pour Insta, tout ça. Et comment elles te viennent les idées de faire des. C'est un son que t'écris que pour le contenu, tu penses d'abord au contenu ou... Moi, le son là, en gros, je vais pas te mentir, j'étais dans ma chambre.
Et là, ces vacances-ci, tu vois, de juillet à août, on a mis les moyens, on a commencé à essayer de se faire de nos sons par nous-mêmes, tu vois, parce que de base, on paye pour aller au studio, etc. Ouais, ouais. On s'est dit, vas-y, on va faire des sons. Et moi, de base, ça, c'était une maquette. Et frérot, la maquette, ça, c'est la maquette. Hein. Ouais, donc, ouais, si tu sais, tu vois, elles sont ouais, déjà... Ouais, non, ouais, et en fait, moi, de base, je suis allé à Casablanca, tu vois. Okay. Je me suis dit, vas-y, je vais prendre des plans. J'ai pris ma petite caméra, j'ai fait mes plans... Frérot, de A à Z, le son là, j'ai fait le mix avec un pote à moi, Zinzin. Vous connaissez peut-être sur Charleroi. D'ailleurs, big up à Zinzin. Je lâche le big up à Zinzin aussi. Et donc, il m'a aidé sur le mix, voilà. Et sinon, le montage du clip, frérot, c'est moi. Les prix, c'est moi. Et voilà, franchement, c'est le top parce que c'est très carré. Parce que j'aime bien les effets un peu des clips ainsi, faits entre guillemets à la rage, tu vois. Mais ça donne un cachet, tu vois, à ton truc, ça donne un côté vrai, tu ouais, vois. Non, je suis d'accord avec toi. Je trouve avec le son, ça. J'ai l'impression que ça raconte une histoire, là, tu vois. Ouais, franchement, ouais, le son est cool. Pour la petite histoire, le bail là, il voulait pas trop le sortir au début, tu vois. Vous l'avez mis non, du tout, il était un peu sceptique. Et il me l'a envoyé, frérot, je te mens pas, je crois que c'est le meilleur truc que j'ai vu de Charleroi jusqu'à maintenant, tu vois. Mais tu l'as dit en voix cash. Je lui ai dit, et j'ai eu que des bons retours. Hein, on se parlait pas trop au début, tu vois, donc... Et je lui ai dit, frérot, c'est une dinguerie, genre. Ça, faut que tu le sors. Franchement, il est sale. Ah, franchement, moi, je l'ai écouté, je l'ai partagé aussi, il était sale. C'est lourd, c'est lourd. Je vous jure, là, ce qu'il vient de raconter, c'est pas des couilles. C'est pas des lol. Il le raconte à tout le monde. Il est là. Il est là-bas, il veut pas le dire, lui, mais. On est en et tout, il est là, il raconte à tout le monde. Ouais, je lui ai dit, sors-le, sors-le. C'est vrai, ça, il l'a chauffé, frère, il a raison. Le truc, il est là. T'as eu une authentique. Ouais, ouais, c'est authentique. La chose, elle coule de source. Tu vois bien, le truc, il est là, c'est authentique. Ah, ça coule de source. Ça coule de source. Je te jure, c'est ça. En plus, il y a une source ici. Par contre, t'as eu plus de 2000. J'aime, ouais, frérot, ça a tourné à mort, franchement. Merci à tous ceux qui ont partagé et tout, je te jure, là. Frérot, quand t'as... même là où je trouve le clip complet. Ah ouais, 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 où je trouve le clip complet. Tout le monde me dit ça, les gars, je me dirais un truc, hein. Je suis désolé. Peut-être un jour, si je tape une zine, je termine ce son. Mais pour l'instant, c'est ça et c'est tout. Des fois, c'est désolé, mieux comme ça. Mais franchement, je vais pas vous mentir, j'ai envie de passer à autre chose aussi, tu vois. Ouais, ça ouais, veut dire, là, maintenant que je l'ai fait. Ouais, non, moi, t'as pas envie de revenir en arrière. Je vais revenir, ouais, je vais dire, ouais, en fait, les gars, le son que j'ai fait en réel, là, bam, j'ai fait une version longue, que j'ai continué le clip. C'est un peu. Non, ouais, c'est voilà, un peu... après, j'ai mis la barre haute, mais je peux refaire. Ouais, mais à l'aise. Hein. C'est un à peu l'aise. Surchauffé, quoi. Si tu reprends un son que t'as. Je comprends un peu la dynamique de ton truc. Alors, on a vu ton Insta. Pas mal. On va aller sur l'Insta de GY. On va check sa story. Gigi. C'est quoi, on va check sa story en direct Il y a quoi, là? Je pense qu'il n'y a pas grand-chose. Ah, bah... voilà, regarde. Le big up, t'as vu ça, le vrai G. Le big up. Le vrai G. Attends, je te montre la story ici. Regarde ici. Je voulais voir que ça donnait quoi. Lui. Ah ouais, il me semble bien que tout à l'heure, quand j'ai mis le téléphone dans le truc, j'ai t'as vu ça, je suis rapide. Hein. Rapide. Ouais, j'ai rien encore en deux secondes, t'as la story. Tranquille. T'as des projets en cours ici. Attends, je vais voir. On va pour les internautes. Il y a ce fameux clip qui est jamais sorti d'ailleurs. Hein, CMC. Explique-nous. Qui est là. Je suis un peu sceptique pour le sortir, je te mens pas. Pourquoi je suis vraiment obligé de te répondre à cette question. Tu peux me faire un joker si tu veux. Mais si tu nous réponds, c'est mieux. Écoute, le contenu est assez hard. Ah, ok. Tu vois, donc on est avec des pincettes, tu vois. Ouais. Mais je pense qu'il va sortir. Au pire, tu flottes. Ah, au pire, on flotte. Clips, ou un petit réel, ou c'est quelqu'un d'autre qui va le balancer. Ouais, c'est bien, les boys. Imagine, le clip, c'est que flouter. Je vois ce que tu veux dire. Des fois, t'as pas envie de te donner une image. C'est bien, il y a la famille aussi, ouais, un petit peu derrière. Je comprends. Ouais, après, c'est un personnage. Après, c'est à l'artiste, tu vois ce que je veux dire. Mais je comprends pour la famille. Voilà, c'est ça. Ça crée un peu. Mais après, justement, pas sortir. Il sortira dans tous les cas. J'aime bien la pochette de ton ancien projet, là, toi en dessin. Ça, c'est Vichy, Nico Vichy, d'ailleurs, un big up à Vichy. Big up hein. À Vichy. Un gros big up. Un big up. Voilà. Et c'est lui qui a fait la cover et l'arrière et l'avant, du coup. Elle tue, franchement. C'est normal que maintenant, quand on me dit Panamera, je pense à GY. Écoute, je demande pas, pour la petite histoire, j'étais à Liège avec SLF, on faisait un freestyle. Enfin, il faisait un freestyle. Et comment je montre Panamera à l'ingé, et il me dit, mais putain, j'ai déjà vu le truc là. Je dis, mais c'est toi le gamin de la Panamera?
Donc tu vois, pour te dire que il connaît pas ton blaze, mais il connaît pas le blaze, mais il connaît pas la mer, tu vois. La marque de la voiture. C'est ça, c'est ça. Ouais, franchement, à mon avis, j'ai un truc pour. Et d'ailleurs, un big up à Day One pour ce clip encore. Encore un gros big up à Day One Prod. Ah, c'est que Day One, il est beaucoup chaud dans la région. On voit ouais, ouais, il est très fort, il est partout, il est partout. Très, très fort. Partout. Ben voilà, les gars. Merci pour cette séquence. On va passer à la séquence quiz. Maintenant, on va tester votre culture générale. Séquence quiz. Tu vas me fumer. Il n'y a pas d'un V ainsi. C'est duel. C'est un V, hein. Les gars, là, vous ne voyez pas en live. Un V, un snipe. Les gars, faites-moi le plaisir d'aller revoir la, la rediffusion de ce live. Parce que Staff fait un boulot exceptionnel. Yeah. Big up. Allez, allez, je vous dis rien parce que, parce que là, à l'image, ça donne on est une dinguerie. Okay, big up au Staff, c'est vrai. Yeah, yeah, yeah. Big up, on l'avait oublié, celui-là. Toujours oublié, tout le temps. Bah écoute, je te laisse le bal. Des, bon les gars, je vais vous poser des questions. Attends, moi d'entrée de jeu, je tiens à dire, hein, la dernière fois qu'on a fait ce jeu, je me suis fait fumer au moins 8-0 par SLF. Bah, au moins. Mais là, j'avais des minimes. Attends, 8-0, là c'est impossible parce qu'il y a 6 questions. Ça, ça c'est la première. Alors, je vous explique vite fait les règles du jeu. Celui qui répond bon, il a un point. Celui qui répond mal, ben, il a pas de point. Voilà. Ça, c'est les règles du jeu, les gars, simple, efficace. En soi, c'est un QCM, il y a, trois réponses. Il y a trois magnifique réponses possibles, comme tous les jeux, tous les quiz, tous les bons quiz du monde. Et si bon, on répond sans le QCM, viens, on fait 3 points. Je laisse... Ah ouais, tu réponds sans QCM. Vas-y. Ouais, mais écoute, on va faire un point, un point. Vas-y, ça, on s'est habitué. Toi, tu veux vraiment le fumer, toi. Non, justement. Moi, ça tire, ça tire ici. Je vois, ça tire. Ça tire à balle réelle. Bon, allez, je vais commencer, les gars. On laisse RG. Quel rappeur français faisant de la drill a récemment été ajouté au jeu NBA 2K 2023. Ziak, fixette. Bam. SLF, un point. Direct. Je suis désolé. Direct. J'ai même pas dealé. Tu fais avec moi. C'était la première question. Ok, ça va, ça va. C'était la première question. Ah ouais, on a commencé là. Juste un petit truc. Je vous rappelle, vous qui nous suivez en live, n'hésitez pas à jouer avec nous en direct. On serait un plaisir de voir si vous avez les bonnes réponses. Après, on va comptabiliser les points. Et c'est tout. Et c'est tout. Donc, jouer avec nous, de toute façon, voilà. Si tu te connectes au live et que s'il y a des gens qui répondent dans le chat, à mon avis, tu vas être plus rapide. Bon, je vais vous envoyer la deuxième. Quel rappeur originaire d'Aulnay-sous-Bois est surnommé le duc de Boulogne? Bah, Booba. 1-1. Bah, ouais, frère. Ah, bah là, ça m'étonne, là. Moi, Aulnay-sous-Bois, je pensais que c'était le 9-3, moi. Non, Aulnay-sous-Bois, non. Je pense que le duc, de toute façon, le duc direct. Maes et Vald. Ils ont pas fait ASB là. Ah, bref. Bon, les gars. Là, tu pars trop loin pour moi. C'est trop de géographie. Ouais, voilà, moi je dis Booba, c'est bon. Tu sais quoi, reste bien calme parce qu'on a préparé le truc, j'ai pas envie de nous mettre en embarras direct. Vas-y. Quel groupe culte de rap français a été condamné à 3 mois de prison ferme? NTM, IAM ou Lunatic? NTM? Ouais, c'est ça. NTM. Ouais, c'est lourd. Après, par déduction logique, je te mens pas. Ouais, c'était plus NTM. Ah ouais, c'est vraiment. Lunatic, peut-être aussi, ça aurait pu. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais Ali, pas trop, mais Booba quand même. Bon, allez. Qui a été le cauchemar de nombreuses féministes après la sortie de son titre? Sale. Tatata. Orelsan. Orelsan, c'est. Orelsan. Ouais, c'est un point en plus pour SLF. Frérot. Il me donne des questions, je les connais. C'est trop facile. Non, on sait jamais. Parce que tu peux dire merci au stagiaire Nico qui nous a aidé à faire les questions. On peut le faire un big up. Merci Nico. Merci à Nico. Ouais, merci Nico. Par contre, on est sympa avec vous, les gars. Donc, non, bah, franchement, allez. Ça peut être la question de rapidité aussi. Les questions sont bonnes. Les questions sont bonnes. Frérot, faut être à l'affût. En fait, il n'y avait même pas besoin des trois propositions. Ouais, à chaque fois, il n'y a jamais besoin des trois. Ça passe comme de l'eau. Bon, non, mais ça veut dire que t'as une bonne culture rap, donc c'est bon. C'est bien. Bon, les gars. Booba et Ali ont formé un duo. Quel était son nom? Lunatic. Eh frère, on l'a dit juste au-dessus, ouais. J'étais en domaté, je me dis, mais attends, la question, elle est vraiment sérieuse, là. Je me dis, merde. Et pourquoi t'as pas répondu? Eh ben justement, ouais, voilà. Les gars, je pense que pour la prochaine émission, on va trouver un autre jeu, ou alors on va être compliqué. C'est moi qui arrête de jouer pour les prochaines. Arrête de jouer. Mais tu joues là, ouais, hein. Hey. Hey, c'est présent.
Dis ouais, je savais pas que tu jouais, là il est en train de te fumer, mec. C'est quoi, c'est 3-1 là, non, je crois. Vas-y, la dernière. C'est 4-1 là. De toute façon, c'est irrattrapable là. Ah, de toute façon, ouais. Je suis dans votre camp, les gars. On dirait un score de FIFA, les gars. Voilà. Quel rappeur belge est originaire de Charleroi? Jean-Jas Damso. Jean-Jas, le Gigi. Mais il est. Il est rapide, il est vif en plus de ça. Bien joué, moi on peut applaudir SLF. Alors, Jiwa, t'es pas mauvais. Ça va, c'est bon, vite. Dis ce que tu penses. Non, t'es pas mauvais parce que t'as des bonnes réponses, mais il est plus vite. Oh, je suis rapide, hein. SLF. Hein. Après, si vous avez trop de bonnes réponses, c'est peut-être nous qui avons fait un quiz dégueulasse. Trop facile. Trop léger. Bon. Moi, je dis ça, je dis rien, SLF, il est arrivé 5 minutes avant moi. Hein. Je sais pas ce qui s'est passé en loge. Question, hein. Ouais. Il y avait un peu qui traînait là en plus. Il m'a dit c'était moi, qui, Bouba et Ali. À mon avis, je l'ai fait. Ouais, à mon avis. Je lui l'ai donné, lunatique. Ah ouais, peut-être qu'il souffle les réponses. Non, impossible. Non. Tranquille. De toute façon, les gars, restez calme, il n'y a rien à gagner. C'est juste pour le kiff. C'est juste pour se faire plaisir, les gars. Écoute, on va passer à la séquence punchline. C'est parti. Bon, là, ça va être un peu plus chaud, je pense. Séquence punchline, c'est facile. On vous lit des punchs. Et en même fait, si et c'est pas trop difficile. Et vous devez deviner. Et on a pas encore fait la séquence. T'as pas fait. Tiens. Non. Ça c'est pour toi. Mais il y avait une séquence continuité. On va la faire juste après. J'ai pas oublié cette séquence. Mais on passe à la séquence punchline maintenant. Tu nous lis des punchlines. Vous devez deviner qui a dit cette punchline. Facile. Si vous n'arrivez pas à trouver, ben on va vous souffler les trois réponses possibles, okay. Comme tout à l'heure. Et c'est parti, il n'y a rien c'est qui parti. Change. Vas-y. J'essaie de rattraper le temps comme si c'était une ex. Ça vous dit rien, si J'essaie de rattraper le temps comme si j'étais une ex. Orelsan, Nekfeu, Dinos. Dinos. Ouais. Il l'a bah, dit. G, du coup. Ouais. Fou. Non, c'est Gazo. Mais non, qu'est-ce que tu racontes, frère? J'ai fait celle-là. Ah ouais, ça fait celle-là. Ah bah, du coup, pour la deuxième. Gazo, non, là, comme ça. Je sais pas, moi. C'est Chava. Ciao, frère. Ça va, lui, là. J'adore, mais. Déposez vos CV, l'éveil d'essence recherche. Ça se libère. Un présentateur. Hey, toi, c'est vraiment un chien. Toi, c'est vraiment un yage. Mais attends. Non, mais on n'a pas dit la punchline, ils ne savent pas c'est qui. Ah ouais. Si, ils savent c'est qui, frère. Les beaux mondes sont remplis de crédits. Bow. Next. Non, j'ai pas fait une aussi simple. Non, c'est pas celle-là. Ben vas-y, du coup, je ne la fais pas maintenant. De toute façon, on fait mélange. Attends. Ouais, ben j'ai déjà mélangé, c'est pour ça c'est que. C'est ça, c'est ça. Attends. Celle-là, vas-y. Gazo, de toute façon, il est sur une proposition, donc c'est simple, c'est lui. Ouais, donc, mais il, c'est pas sûr que ça peut être lui, tu vois. On est trop tard. Non, mais. Vas-y, frère, tu vas voir. Vas-y, je te laisse faire. Je vais rien dire dans cette séquence. La vie ne tient qu'à un fil, dépêche-toi, mets-toi au tricot. Ouais, la vie ne tient qu'à un fil, dépêche-toi, mets-toi au tricot. Ah, frénétique. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est ça. Bien joué. Là, il n'y a pas de point, mais franchement. Bien joué, frère. J'ai du mal, Ah, mais il est chaud. Frénétique, hein. Frénétique. Il est chaud, il est chaud. Bon. Café ou verre de Sky, réduit par Bébé Jacques, Jaco. Bébé Jacques. C'est Jaco, hein. Direct. C'était trop facile. Là, c'était trop rapide, la bombe. Trop facile. En deux secondes. Nous, comme on est black, on a taffé la blanche. Gazo. Comme on est black, on a taffé la blanche. Hey. Mais t'as vu, donc voilà, c'était ça. Les gars blancs, ils ont taffé au black. Hey. Je n'ai confiance qu'en Zizou dans les arrêts de jeu. Non, ça c'est Brulux. Caris. C'est Caris. C'est toi qui as dit la réponse. On va faire semblant de rien. On l'avait. Ah ouais. Ça va, je te baisse ta rose. Là, il n'y a pas de point, tranquille. Mais les gars, franchement, vous êtes chauds parce que d'habitude, ce genre de séquence, il faut un petit temps de réflexion. Parce que tu sais bien, quand tu as la punchline, quand on te la lit comme ça, qu'elle n'est pas dans un contexte. Ouais, c'est ça, avec le hors flow en fait. Hors flow, c'est chaud à fond. Hein. D'ailleurs, on a déjà fait ce jeu-là une fois et on a bégayé. Yo, c'était vraiment. C'était chaud. On nous a sorti des trucs. Ouais, mais c'était compliqué, On nous a sorti du Lafouine. Ouais, moi-même, j'écoutais pas. J'aime bien Lafouine, franchement, j'écoutais et tout. Mais... Ah, bah, tu sais quoi, demain, à mon avis, demain, on va aller sur Punchline, Lafouine. Prenez des rappeurs bizarres. Prenez des rappeurs bizarres, mettez-les mal un peu.
Bah les gars, la séquence la plus rapide du monde. On a tué ça. C'est bon. Séquence c'est la bon, équipe. Plus rapide du monde. On va passer à Continue le 16. Aïe. Ok. Là, ça se complique parce que Continue le 16, on te met un extrait de la musique de quelques secondes. C'est vraiment quelques secondes hein, ouais. Pour les droits d'auteur. Après, on strike direct après. Il n'y a pas le droit à l'erreur. Une seconde en plus, on se fait strike. Je coupe et vous devez continuer. Après, on vérifie si votre réponse est bonne. Et puis voilà. Et qui commence ? Tout le monde. Non, tout le monde commence. C'est celui qui a la réponse. Qui l'a, du coup. Celui qui l'a, bam. Il l'a direct. De toute façon, il n'y a rien de spécialement organisé. C'est juste pour. Vas-y. Et pour voir votre culture musicale. Mais là, vous m'impressionnez, les gars. Parce que franchement, avec le jeu de tout à l'heure, les deux jeux de tout à l'heure, franchement. Alors là, je commence à me remettre en question si ou vous êtes trop fort, ou nous, on doit taffer mieux. Quelle est la question ? Bah, c'est quoi ? Répondez dans les commentaires. Dans les commentaires. Espace commentaire. Vous êtes prêts les gars? 3, 2, 1, c'est parti. Faire un jeep et tout sur le mont Fujiyama. Tour de la Thaïlande dans sa sang Yamaha. Faut que je quitte la France, elle a fait la petite crache. Il passe le premier couplet au refrain, frère. Faire tour de la Thaïlande dans sa sang Yamaha. Ouais, c'est ça. Facile. Fujiyama. Faire un. Je fais un big up à Nico le stagiaire. Sur celle-là. Il a bon dos Nico le stagiaire. J'étais avec lui hein, les gars. C'est parti pour le prochain son. Je veux me balader seul, mais c'est plus comme avant. Chanterai le quartier toute ma vie. Même si je fais le tour du monde. Voilà. Après il répète non. Je vais me balader, mais c'est plus comme avant. Il répète je crois. Ok. Nanana, Kinshasa. Vous avez mis de la Zumba, les gars. Non, je rigole. On a mis des. Critique pas. Critique pas, s'il te plaît. Et sur le flemme. Moi, je pensais que j'allais devoir rapper, tu vois, j'étais là. Non, c'est vraiment 3 secondes, pas plus. C'est la séquence plus rapide du monde. Elle est encore plus rapide que l'autre, la séquence. C'est parti, on va voir. Chanterai le quartier toute ma vie. Même si je fais le tour du monde. Bien joué les gars, bien joué. On est à la moitié, il y a que 4 sons. C'était la même hein, ça. C'était. Ouais, c'était celle-là. C'était la même hein, frère. Non, c'était le la suite. Ah ouais, mais il a mis la suite. C'est la suite. Ouais, non, c'est la suite pour voir s'il avait une bonne réponse, mais il avait une bonne réponse. On va voir. J'aurais dû faire des pièges parce qu'hier j'ai fait des pièges à nos invités et je fais, tu sais quoi, là on va mettre des musiques. New school, tu vois. Ouais. Hier, j'avais mis des musiques new school à des old school. J'aurais dû vous mettre des musiques old school à vous. Ouais. C'est comme ça que la je l'ai vérité, fait. Ouais. Bah, en vrai, ouais. Ils nous auraient tués. Ouais, c'est parti, les gars. On peut t'enlever la vie pour sauver nos réputations. À l'heure qu'il est, je suis dans l'avion. On évitons toutes les tentations. À l'heure qu'il est, je suis dans l'avion. On tire les plaintes. J'arrive en tête du plot. Je suis là que pour la plata. Le lundi est le lundi. Pas peur qu'on vienne éclater. Pas peur qu'on vienne éclater. Mais reste passé dans l'argent facile. Eh Nino, c'est bon, calme-toi. Il est là. On a Nino avec nous. C'est parti, on va voir. Mais je dis, ouais, il a bien corrigé parce que c'est. Toutes les tentations. À l'heure qu'il est, je suis dans l'avion. Évitons toutes les tentations alors que je suis dans l'avion. Une dernière, les gars, qu'est-ce que vous en dites ? Allez, c'est parti. Du 24 carats, je rappe depuis l'époque de Cara. La technique de flow de malade. Si moi, on se balade. T-Max Cascaraï. Non, ça va, on la technique après. De flow de malade. Artistiquement, on se balade. Franchement, les gars. Celui qui les avait pas, celle-là, il était gros. Non, tu sais. C'est gros. Frérot, je vais te dire un truc. Hey, là, c'est bon, c'est finish. Demain, cousin, il n'y a plus. Frérot, demain, je vais laisser plus aucune chance à personne. Demain, je vais mettre du Gainsbourg dans. Là-dedans. Cousin. Frérot, hein, si tu sais, si y en a un, il ne sait pas terminer ça, tu me calls, j'arrive et je termine à sa place. Parce que là. Non, tranquille. Mais ça va, demain, je mettrai du Gainsbourg. Pour le prochain habitué. Sur Brassens. Ouais, c'est le top, hein, c'est le top. Les gars, on va passer à la séquence freestyle. Je veux que tout le monde fasse du bruit pour la séquence freestyle. C'est parti. Ça va être sérieux. Taf. Quand vous êtes prêts, les gars,
dites, bah, faut ça. On commence par quel instru, mais moi je suis prêt. La première, vous avez mis. Oh, moi je vais reculer un peu, mon sou, sinon on va se mettre debout ici, on va chauffer un peu. Je prends juste la pull-up parce que je la prends dès le début. Ouais. Hey. Yeah, yeah. Yeah, yeah. C'est Lef, c'est Lef. C'est Staff qui s'occupe de ça encore. C'est, ouais. C'est Staff hein, derrière. Le magicien, le magicien. Merci, merci Staff. Un grand merci. C'est bon, let's go. Yeah. Ok, ok, ok. Brr, brr, SLF, ZD, GGGY. C'est sur Full TV, les gars. Full c'est carré, c'est maintenant. Merci à tous. Restez branchés, on va lâcher ça. Sale. Six, 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 six. Et c'est les. J'ai pas entendu de chanson douce, lui c'est ton frère. Mais au fond de toi-même tu voudrais qu'il rate son coup. Dans cette vie rien n'est offert, mais si tu tapes tu grattes ton bout. Sale pute tu racontes tout, mais Dieu verra, ça devient rare. Je vois que des violeurs dans des ferras. Je sais que je suis différent, je deviens peut-être comme eux quand le bif y rentre. Pendant qu'ils se lébronnent, je suis sur Cleveland. T'es mal à technique à la marée, rebeu, t'es mal leur palmarès. Zéro action, zéro dividende. Je suis fonce dépassé minuit, à l'heure où j'écris steak, je suis en cherche d'un speed dans la mini, je crois c'est inné. J'écris à deux pas de lino, je suis rabatté, je rappe ça, on dirait lino, codé inné. Shoot ça comme Borsalino, ton ennemi c'est le mien, donc on s'allie, puis on s'aligne. Je casserai pas du sucre sur ton dos, mais les larmes sont salines. Il sent seul, il sait plus dormir sans saline. Ça commence à se faire salir par des reconnaissances à lui. Je roule un terre, c'est un brink, ça s'allume pas avec un briquet. Lui il s'est pris une brique, l'image dans ma tête reste imbriquée. Y'a le talent, mais on s'abrite quand ça brille. Je veux voir plus de sabri quand ça brille. On m'a pris dans la brume. Le trois quarts de ma knowledge, pas je l'ai appris dans ma bruche. J'ai compris que la vie c'est rush, donc dans la sacoche j'ai le cash. Elle, elle m'a pris pour son crush. Si elle s'accroche, ben je crash. Et on avance pas à pas, je suis pas à pied. À l'appel du pas à pied, je suis pas sympa, me parle plus. Mais mes valeurs, j'ai pas zappé. Même si je dois passer à la télé, Vlad, c'est pour Canal Plus. Tout leur petit cul cassé, je vais le tasser sur l'anal plug. Bitch ass, rebuffé le fier dans un gamos vermat. Madame la juge, je vais me les faire. S'il te plaît, enferme-moi. Ils me feront pas de cadeaux, ils savent que ma tête elle marche. J'ai la pub d'Abdelkader et celle Bernadette Herrmann. Je suis à bout de souffle, je crois que la balle elle va comprimer l'Herrmann. Mon destin c'est par là-bas, pas besoin de Madame Irma. Sur le terre je tire mal, lui il a frôlé la mort. Mais bon au moins il remarche, j'espère bientôt il remarche. Je batte le flic qui veut me faire, il a la tête à Steve Nash. À peine il a pris mon blast, je le vois déjà Kisna. Chap, quoi c'est parce qu'on est dans la merde qu'on peut pas faire d'achat. Je vais pas passer toute ma putain de vie à jouer à chat. Pour la famille, pour ma part, je tourne la page, tous lit. Je lâche des flots, je mets tout mon âme, meurs pour mon art comme Bruce Lee. Tu vas rien faire sur le terrain, le milieu vont manger tes pâtes, 3 étoiles sur le restaurant, mais moi je préfère manger des pâtes. Ça fait plus de 7 ans que j'écris, encore heureux que je les épate. Nos anciens c'est des épaves, ils finissent pas dans des épates. Ils veulent me séparer de ma route, c'est pas de leur faute donc je les épargne. Les trois quarts des gens qui parlent sur moi, bah je les connaissais pas. Y'a plus d'excuses ou des que je compte mes séquelles depuis que je travaille dessus. Devant le but, je mets que des équerres. Elle a cru toute ma vie d'âge, j'allais baiser qu'elle. Je me fais courser par Babylone, je suis avec Ezekiel. Je suis à mon énième, je sais plus je suis dans quelle ville. Ceux qui me plaignaient, je leur disais que j'ai une belle vie. J'aligne plus un mohir mais une belle vie. Je dois arrêter ces merdes si je veux m'élever. Oh shit, il prend la drogue comme Elvis. Il a pas la même vie mais il a le même vice. Hey. J'ai une super arme. Hey, hey. Poto, je supervise. Et c'est les, c'est lourd, c'est fort. Lourd. Les gars, franchement, big up. Merci, franchement, le top du top. Vraiment bien, bien. Très lourd. C'est ça, c'est ça. Le top du top. Prochain instru, les gars. Oh. Hey. Hey. Ah. Hey. Il me parle de sommet, mais c'est pas des winners. C'est pas des. C'est pas des. C'est non. Pas des winners. Hey. Je les vois en double, ils me parlent de sommet, c'est pas des winners. Je les vois en trouble. J'ai mis trop de du mal à rentrer mon tasseur. Chez nous y'a pas game over. J'suis sur le rinté à toute heure. J'suis plus Mario que Bowser, bitch. Elle veut ma quiche, moi j'veux ses seufs. Si j'peux bah j'prendrai même ses russes. S'il faut j'enculerai tous ces refs, on l'air pour tous. C'est normal, nous on a de la peuf. Ah. En mode un instant, je vais sur son Insta dans la te boîte tous mes gars sont instables. On a tourné toute la night comme insaisissable. Aucun poteau n'est fiable. Faut pas t'entourer de faibles. Elle n'a pas donné son fiac. J'ai failli sortir les flingues. Sors une quiche, t'appuie, je l'investis. Je prends mon billet, je réinvestis. C'est rentable si c'est faire partir.
Je veux pas de salope, en bon ça tire, y'a que les billets qui nous attirent sur les ennemis, nous ouais, on tire là, je roule un double. Je te sors une lame comme Skywalker, je peux pas mourir comme Paul Walker, on les fume tous. Je prends tout, je me casse comme un voleur, je peux pas traîner comme baroudeur, on les refourre tous. Je prends mon sirop pack pour la douche, je suis éclaté, je les vois en flou, je remplis mes poches, là je fais des sous. C'est des chelous, c'est pas des fous, ils me parlent de gommés, ils bandent mou, ils sont loin de moi, ils font des trous. Sors une quiche, t'appuie, je l'investis, je prends mon billet, je réinvestis, c'est rentable si c'est faire partir. Je veux pas de salope, en blanc ça attire, y'a que les billets qui nous attirent sur les ennemis, nous ouais on tire. Sors une quiche, t'appuie, je l'investis, je prends mon billet, je réinvestis, c'est rentable si c'est faire partir. Je veux pas de salope, en blanc ça attire, y'a que les billets qui nous attirent sur les ennemis, nous ouais on grrr. Hey, G-Y. C'était lourd. Chaud, 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 les gars. Chaud, chaud, chaud. Eh, un big up, les gars, pour vous tous. Faites du bruit au studio. Ouais, ouais, ouais. Franchement, lance la prochaine instru. C'est parti. Wow. Et c'est... Si j'ai pas un au fond du trou, j'hésite même pas, je découpe la mort. T'y fais pour survivre dans cette vie, faut juste s'en battre les couilles à mort. Y'a des types qui les entends pas, mais ils tueraient pour un mot. Et je te jure que l'état pour moi, c'est comme un cul, et pour un môme. Et je m'habitue, et quand je serai mort, quand vos mots ils seront plus dans ma mémoire. On m'a dit fait tout pour les tiens, mais à mesure mon âme est noire. C'est pour que les putes comme toi, elles soient sécures, qu'on a les lois. Si je vole pour nourrir les miens, madame la juge, condamnez-moi. Et ce matin, on est le 1, j'ai pas mes fûts, puis le dernier mois, je finis mon joint, puis j'en pétin. Soir on est plein, je prends le diable. Je suis posé plein sud. Putain que ça te jette des droites, j'entends son cœur, je me sens comme Jack. Je viens juste pour leur mettre des droites, je suis pas humain, je me sens comme Jack. Daniel Jack, je me sens comme Jack. Je suis sur le bateau avec Rose, on va couler, je me sens comme Jack. Là je suis saoulé, la vie pas drôle, c'est moi qui le suis comme Sparrow Jack. Quand je lui ai dit c'était pourri, là je suis choqué, il va au diable. Je vois, je rétis, vie est pourrie, je donne du respect, mais pas au tien. Le flic me course, film de courir, tu veux ma beuh, je suis chaotien. Si je les insulte, c'est qu'ils méritent, c'est juste des putes, je suis pas hautain. Je suis en Xara sous Baobab. Je fly comme ta au pas, je pense pas au taf, les putes la coque, leur le diamant, je laisse ça au pas. Rajoute des basses comme Bouska bitch. Écoute la frappe, elle mérite le prix Bouska bitch. Pourtant je passe pas sur Bouska bitch. Hey 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 hey. J'ai plus toute ma tête. Faut que je cours après. Faut que je cours après. On dirait le président, c'est lui qui ouvre la tête. Moi je goûte après. Moi je goûte après. On fout le dawa, on laisse pas de traces quand on est toi. Moi on n'a pas l'air d'être bien quand on est toi. Je me mets rapta pour les M-bot. Pour ces salopes, j'ai un M-bot. Brrrra. Reste et c'est les fêtes. Bah, yeah. Et faut des zéros comme Max. Ça charque ici, hein. Merci. Merci, merci, merci. C'est carré, c'est carré. Je sais pas les retours, hein. Mais merci. C'est carré. Franchement, les gars, vous avez tué là. Vous... L'ambiance qu'il y a sur le plateau, elle, elle, elle tue, elle tue, elle tue, elle tue. C'est à toi ça. Yeah, 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 Zidi, 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 c'est Zidi maintenant. Écoute, écoute. Le feu. Hey, hey. Une nouvelle fois je me retrouve seul. Hey, hey. City. City. Sur six, 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 six. City. Hey. Fois je me retrouve seul, oxy. Quelle trois fois je consomme, il goûte. Aux meufs, bah il goûte, somme sourire. Aux lèvres quand je goûte, somme si je l'ai. C'est goûte gros, tout somme, tout ce qu'il ça je vois tout ce comme un Jackson, du crime, vous bête. Quand j'entraîne pour cette ciel, comme un Houston, tout ce qu'on a. C'est leur cause qu'on cap. Si je les écoute, ils perdent tout ce qu'on cap. Dès que leur gros constat, fist up, y'a du trap.
et de la hiya compact. Tu parles mais on n'y parle contact. De pute, on guette la perdasse. Qu'est-ce ta pétasse? Pendant qu'ils parlent, on fait qu'encaisser. La cible en tête, je me dois d'être précis. Hop, ce qui perd face. Bip qui me fait face. Bip qui me fait face. Hop, ce qui perd face. Je vais le dégraisser. Je vais le déplacer. Vas-y, on voit l'instru d'après le S. On se l'instru d'après le S. Pao, 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 pao. Pas grave, c'est pas grave. Sidi dans la maison, c'était Sidi. Ouais, c'était pas la bonne prod. Laisse de se battre, mess tout. On se bat nos armes. Attends, c'est quoi ça? Il faut une prod. C'est une prod frérot, c'est la dernière que je t'ai envoyée. Ah, la toute dernière staff, tu sais mettre la dernière que je t'ai envoyée juste après. Là c'est bon. Ça va charcler là. Ça c'était en mode l'échauffement niche. Attends, Tracas, il va. Tranquille, on va la mettre. C'est celle-là? C'est bon. Là, tu m'as envoyé bon là. T'inquiète. Là, je vais dessus. Hey, je vais sur le mic. Hey. Si tu se bats, on a quoi dans le gamos? C'est trop rabat, je suis sonné. Avec les riches, je fais exonner. Des petits couplets, mon pote, je fais donner. Il te côtoie que quand t'es au plus haut. Tu te baisses, mais je suis pas étonné. Barre à la faute dans tes textes, t'es perdant la thèse. Gros, faut pas déconner. Tu perds dans mes passes jusqu'à la pluie, les on dit. Tu sais qu'on est méchants sous Rennie. Pour le business, on est ready. Que des grosses gars qui a le bot quand ça rit. Elle dit la FS, cette bitch, elle est pretty. Elle est triste, par la money. Money. Elle me dit, tu sais, bébé, je t'aime. Moi, je sais que ce que t'aimes, c'est mes versats Johnny. Johnny. Au sommet, on y est. Des tonnes de salopes, tout funny. Au début, on sait, c'est pas facile, mais à la fin, tout seul, on s'y fait. Je t'arrange le prix en grosse quantité. La parole, faut pas s'y fier. Faut que le petit rap puisse me prendre pour exemple. Mais j'ai fait des choses dont je suis pas si fier. Vite, la caisse, gros. J'ai le bois qui a parking, fan, ça serait dommage. Dommage, ce sera pas collatéral, je les prends de vitesse. Je la mets dans le fond mon pote si j'ai l'occasion. Ouais, hey, t'écoutes ton son 10 secondes, il est cocasse. Paraît que l'amour ça rend bête, paraît. J'suis un putain d'intello, putain d'intello, putain d'intello. J'suis un putain d'intello. Paraît que l'amour elle est faite, gros. Remets les compteurs à zéro. Remets les compteurs à zéro. Où c'est caché, j'ai pas. J'débute la promenade avec Chétan. Toute cette monnaie que j'ai pas, 4 chiffres sur le plafond, mon pote j'décale. Un régalère, j'dépanne, ouais, mais gros, fais pas l'ancien, j'dépanne. Un pas de travers, j'vais canner, bébé, arrose ton cœur, j'l'ai fané. Tout s'est caché, j'sais pas, j'débute la promenade avec Chétan. Toute cette monnaie que j'ai pas, 4 chiffres sur le plafond, mon pote, j'décale. Un régalère, j'dépanne, ouais, mais gros, fais pas l'ancien, j'dépanne. Un pas de travers, j'vais canner, bébé, arrose ton cœur, j'l'ai fané. Heureusement que l'heure, elle est passée. Heureusement que le rêve est effacé. En TNF Jordan à fond dans la caisse. Mais t'inquiète, je vais te passer, c'est simple, t'en parles pas si t'as pas fait. Moi je disais je t'aime à l'imparfait. Je tomberai jamais pour violence conjugale. Tu me donnes une instru, je vais la baffer. Je fume, je bais, je pense et je l'évite. Toutes relations, je les évite. Des rêves qui se baisent entre eux, ça me dégoûte. Plus j'ai de la haine en moi, plus je débite. Je fume, je bais, je pense et je l'évite. Plus j'ai de la haine en moi, plus je débite. Hey, c'est des Zidi. C'est propre. Ouais, les gars, lourd. Il a même pas bien. Encore balancé. Y'a rien qui bien, se bien, bien. Les gars. Où c'est caché? C'est dans l'ombre. Où c'est caché, je sais pas, je débute la promenade avec Chétan. Hey. Toute cette monnaie que j'ai pas, 4 chiffres sur le plafond, mon pote, je décale. Un régalère, je dépanne, ouais, mais gros, fais pas l'ancien, je dépanne. Un pas de travers, je vais canner, bébé, arrose ton cœur, je l'ai fané. Où c'est caché, je sais pas, promenade avec Chétan. Toute cette monnaie que j'ai pas, 4 chiffres sur le plafond, mon pote, je décale. Un régalère, je dépanne, ouais, mais gros, fais pas l'ancien, je dépanne. Un pas de travers, je vais canner, bébé, arrose ton cœur, je l'ai fané. Sale. Les gars, un maximum de bruit pour Zidi. C'était Zidi. C'est la première fois que tu fais un truc en radio ou quoi? La première fois, je prends le micro et tout. Moi, d'habitude, c'est studio ou dans ma chambre, frère. C'est tout. Les gars, c'est le top du top. Un maximum de bruit encore. Big up. C'est chaud, les gars, c'était chaud. Est-ce qu'il y a encore une instru qui traîne en studio? Si t'as une instru, tu me la balances. C'est pas... Au pire, on met une instru. Écoute, moi je te dis, Staff, si t'as une instru, fais-nous plaisir. Hein. Termine ça. Et Staff, allez, il sait bien de toute façon. Ah, je peux les mettre moi sur YouTube, les prods. Les gars, on se met une prod. Les gars, vous voulez une prod. Franchement, il y a une dernière prod de... Ouais, vas-y, mets une prod. Vas-y, mets tranquille. Mais un truc bien... Que tout le monde dit, c'est bien, tu vois. Faites-vous un dernier plaisir. Tu sais quoi, G.Y., pendant que notre ami SLF cherche une prod, on t'offre un petit... Merci, fais du bruit. Merci, fais du bruit pour faire. Merci.
in their amazing music and sound effects to create better videos. Il y avait une publicité juste avant la prod. Tranquille. C'est un petit souvenir, c'est un petit port USB avec toute la mixtape dedans. C'est pour toi, et si tu scannes ici, tu peux retrouver. C'est lourd. C'est très très lourd. La playlist. Merci Full TV. Très très carré. Merci Full TV. Très très carré. Merci. Les gars, les rappeurs vont faire un dernier kiff, une dernière instru. J'ai vu qu'ils étaient tous chauds là. C'est parti, une dernière instru. Merci à tous de nous avoir regardé. Dernière instru. Bow. Uh-huh. I love fear. Fear j'ai mis une instru au hasard. Hein. On va puer ça, t'inquiète. T'inquiète. It's an illusion. Fear is an illusion. We have to have desire. We have to have desire. Je fais une instru. Je vais faire l'intro avec l'instru carrément. Hey, Wouh, hey. Ah. Vendredi, hey. Je suis broke. Samedi, je suis riche. Je fais 3 stories sur la semaine. On me dit tu es riche. Et c'est le six. Ah. Vendredi, je suis broke. Samedi, je suis riche, je fais 3 stories sur la semaine. On me dit tu es riche, 2 étoiles sur le resto, mais j'ai pris du riz, j'ai peut-être gagné des SNET. J'ai pris des risques, elle peut me ramener sur Dubaï, mais je me sens mieux près du riff. Je suis rentré dans sa tête, seule chose j'ai croisé, c'est du vide. Je perds l'équilibre au fil du temps, je marche sur le temps qui file. Le clipper, il profite du temps, je m'en bats les temps qui filme. La shorty, elle m'a suck, je dois boire en wifi. Je viens de là où on se méfie. Je viens de là où le temps passe, on guette les aiguilles devant la cloque. Je viens de là où si tu les portes pas, on met tes clés, oui, devant un glock. Madame la juge, y'a pas de gangster. C'est juste qu'on vend de la drogue. On vend la vie en rock. Et je peux vous assurer que ce serait le même si on faisait du rock. La preuve de mon dos daron, c'est pas depuis hier qu'il y a le marron. Je souris, mais c'est pas marrant. Je suis rabat devant mon PC. Je guette le CAC 40. Cette société, c'est de la merde. Je crois qu'il croit que le CAC 40. Il faut un vaisseau qui pull up jusqu'à 4K. L'avenir il est rempli de douleurs, c'est mieux je suis pas parent. Hey 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 hey. Elle me dit que je suis beau, par les couilles je regarde un match et les bulls. J'ai plus long qui fait des bulles, après deux verres je dirais peut-être que t'es belle. NBA si tu veux je t'enfume la balle. Balle. Je t'ai pas parlé de bague. Y'a mon nom sur la plaque, les keufs qui tournent on doit changer de planque. Obligé de changer de plan, les wesh m'en bats les couilles je fume la plante. Siroc dans la tête c'est sûr que je plane, continue que des couilles arrête de te plaindre. Hey. Hey, Sidi, ok. J'ai dû 3 fois filtrer, ok. J'ai dû 3 fois filtrer dans ma sacoche pour le 5 grammes passer 90. T'as pas capté 90, j'ai visé plus de 90. Sur la place à midi 10, à midi 20 y'avait plus rien. Et là je retournais sur le chemin, tu peux me croiser sur le bon coin. J'ai des murs blancs, des gros carrés, j'suis dans la suite. Si tu montes vite, j'ai du champagne, il faut que tu me sucks. Hey. J'ai des murs blancs, j'suis dans la suite. Si tu montes vite, j'ai du champagne et il faut que tu me quoi. Hey. Pas de secrétaire mais j'suis PDG et ce cellulaire gros rangement, t'as CPD. Bon j'ai pas encore vu ma tête sur des CD, j'ai des idées mais j'sais pas comment décider. Flash, info, ces bâtards ça allume sur les tarots. Ils me parlent de somme, non pas d'euros. Ils se prennent la tête pour des garros. Hey. Ils se prennent la tête pour des garros. Wow. Hey, hey. Les gars, magnifique les gars. Hey, hey, ok, c'est lourd. Magnifique, un maximum de bruit les gars. C'est lourd les gars, c'est très fort, très les très gars, fort. Les gars, on a pris énormément de plaisir à vous accueillir aujourd'hui. Un grand, grand merci. GY, SLF et notre ami Zizi, c'est bien ça. Merci à tous, on se revoit demain pour un prochain stream. Merci à tous de nous avoir suivis. C'était sur Full TV, Éveil On Air. Merci à tous. You gotta get yours before I gotta get mine. Everything is fine when you're listening to the...